Je voudrais vous dire d'abord, ça n'a échappé à personne qu'on est entre deux tours d'élection présidentielle et que la stratégie du groupe EDF dépendra quand même d'une part de ce qui sortira des urnes dans moins de 10 jours maintenant, d'autre part de ce que décidera l'État et des sujets de consultation publique. Donc c'est un point important. Deuxième point, le titre de la conférence était « Comment la crise accélère la transition énergétique ?» Moi, je dirais plutôt comment les crises, puisqu'en fait, on a la crise Covid, hein, dont on l'a un peu oubliée, mais enfin, elle est toujours là. Le sujet de la crise longue sur la partie énergétique, vous l'avez mentionné, le rapport du GIEC, qui nous dit qu'on n'a que 3 ans. Et puis, évidemment, on a la guerre à nos portes en Europe. Donc tout ça amène quand même beaucoup de tensions sur le sujet de l'énergie. Et donc, nous demande aussi d'adapter nos stratégies. Alors, sur le sujet de la stratégie globale d'EDF, alors, il y a un point très important, c'est que, en fait, y compris dans le débat public, hein, on entend beaucoup de simplification. Moi, je voudrais vous dire que la stratégie d'EDF, c'est 4 points, et c'est 4 points cumulatif, parce qu'en fait on est sur les et pas sur les ou exclusifs. Donc le premier point, c'est de déployer toutes les solutions relatives aux mesures d'efficacité énergétique et pour justement baisser la consommation globale d'énergie, parce que le sujet quand même c'est de baisser sa consommation globale et de maîtriser la hausse des consommations d'électricité, puisque pour la partie électrique, ça va augmenter et donc il faut maîtriser cette hausse. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui s'ajoute, donc, hein, c'est l'accélération du développement des énergies renouvelables à un pas extrêmement important, hein, puisque là, ça veut dire toutes les énergies renouvelables, donc l'éolien en mer avec un très beau succès qu'on a eu hier, l'éolien en mer, l'éolien terrestre, le photovoltaïque, l'hydraulique, hein, enfin, l'ensemble des solutions d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point cumulatif, hein, c'est le sujet du nucléaire. Donc la relance du nouveau nucléaire, la prolongation du parc actuel, puisque je vous rappelle que le nucléaire est une énergie décarbonée. Donc on a besoin de relancer ce sujet-là. Et puis le quatrième point, c'est tout le sujet relatif, on en a beaucoup parlé déjà dans ces tables rondes, tous les points relatifs à l'innovation. Donc l'innovation sur le stockage de carbone, le sujet de l'hydrogène qui est un point absolument crucial. Le groupe a annoncé hier un grand plan relatif à l'hydrogène avec un investissement de 2 à 3 milliards d'euros d'ici à 2030. Donc le sujet de l'hydrogène est un point crucial et puis l'ensemble évidemment des innovations. Donc on a 4 sujets cumulatif. J'insiste beaucoup sur ce point et désolée de réinsister à nouveau parce qu'on entend tellement de sujets un peu faux dans le débat public. On a besoin de faire tout, c'est-à-dire le renouvelable, le nucléaire, diminuer sa consommation et faire de l'innovation. Et en fait, si on fait seulement un de ces 4 points, on n'y arrivera pas.